Il fallait voir. Roue à roue avec les bolides les plus terribles que j'ai jamais vus. Les chromes acérés comme des lames de rasoir luisant dans l'obscurité. Les armes vibrant sous les capots. Oh, le gentil comité d'accueil de Crass. Bois un coup, mon ami. Peut-être, mais ils auraient pas dû faire les marioles avec nous. Jack et moi, on est des superstars. Et on connaît du monde ici. On a... Merci. ...été invité à Crass pour la lecture d'un testament. Un mec super riche, du nom de Crow. Le chef du gang? Ouais, c'est bien ça. On était le bras droit de Crow à Abbeville, mais ce gros tas de graisse a clamsé. Bref, j'en étais où? Ah ouais! C'est là qu'on s'est fait encercler. Des effluves de peur hantaient les airs. Et il y avait aussi des relents d'autres trucs. J'ai dit à Jack, on va se les faire! Eh bien, cette ville a l'air terriblement dangereuse. Il faudrait prendre des mesures pour la sécurité. Ouais, mais bon, nous on n'a pas peur. C'est pas un petit gang de ringards qui va nous faire flipper. Vous étiez faits comme des rats. Comment vous en êtes-vous sortis ? Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Ah oui. Tu sais, les gens du coin n'aiment pas trop les petits prétentieux comme toi. Ils les préfèrent au fond de l'aquarium. Relax, les mecs. J'en ai plus pour longtemps. Tu l'as dit. Vous allez adorer la chute, juré. Dax, grimpe vite! Jack, t'es dingue ou quoi? T'as flingué mon histoire! Vite! Ah! Qu'est-ce que t'attends, Jack? Crouille-toi! Tu devais rester discret. On est menacé de mort, Dax. Quelqu'un veut notre peau. Tu crois ça? Qu'est-ce qu'on attend pour rentrer chez nous? Jamais de la vie. Accroche-toi! Finissons-en et filons de ce bled pourri. Qui nous a fait venir, au fait? La fille de Crow, Rain. Crow avait une fille? Crow s'est reproduit? Bah, t'imagines un peu la tronche de ce gros tas de sindous. Merci d'être venu à Crass. J'ai l'impression qu'il manque du monde. Tant pis.
Moi, c'est Rain. Les dernières volontés de mon père étaient simples. Que l'on diffuse son testament à ses plus proches associés et que nous tous buvions à sa disparition. Il gardait cette cuvée spéciale pour cette occasion. Un toast à sa mort. Buvons aux vieux amis et à la mort prématurée de mon père. Et sans plus tarder, voici son message. Bonjour mes presque amis, et surtout ennemis. Et si vous écoutez ce message, c'est que je suis mort. Oh bon, et comme vous le savez, j'adorais les courses presque autant que j'aimais les armes. Hélas, je n'ai jamais réalisé mon rêve de remporter la plus grande de toutes les courses, le grand championnat de Crasse. Par-delà la mort, je veux créer la meilleure équipe de pilotes jamais rassemblée et remporter la plus grande course de la planète. Vous êtes les meilleurs d'entre tous et vous allez courir pour moi. Tiens ! J'imagine que vous êtes tous verts de rage, mais laissez-moi vous dire pourquoi vous allez courir et emporter. Si tout s'est bien passé, vous venez de porter un toast en mon honneur. Désolé pour vous, mais j'ai empoisonné cette cuvée spéciale. Quelle déloyauté! Papa! La reine doit être en train de s'énerver. Désolé, chérie, l'effet du poison est très lent. Vous seriez déjà mort. Il vous reste juste assez de temps pour terminer la saison des courses. Si vous parvenez à gagner, mes associés vous donneront à chacun un antidote contre ce poison. Simple, non? Mais enfin, qu'est-ce que t'as fait? Attendez, je ne savais pas. Moi aussi j'ai bu. Papa ne fait jamais de favoritisme. Ouais, bah n'empêche que ton père est dingue. Nous sommes tous dingues d'être venus. Je crois qu'elle dit vrai. Voilà, ça fait une minute. J'imagine qu'en ce moment, vous vous battez tous pour savoir comment sortir de ce pétrin. Ne faites confiance à personne. Gagnez la course et sauvez votre peau. Jack, la prochaine fois que tu voudras m'inviter à une de tes petites sauteries... Oublie ! On peut le faire. On peut courir et on peut battre Crew à son propre jeu. Papa nous a acheté le meilleur garage mobile qui existe. Et chacun de vous a une voiture qui l'attend. Nous faisons tous équipe. Il n'y a pas de temps à perdre. Ça fait un bail que tu n'as pas piloté, Jack. Emmenons ton véhicule sur la piste et je vais reprendre les bases. Accélère, Jack. En cas d'urgence, les freins sont là. Mais te connaissant, ton premier réflexe ne sera pas de t'en servir. Freine, Jack. En maintenant le frein enfoncé, tu peux stopper ton véhicule et passer en marche arrière. Recule, Jack. Bien. Tu sens les commandes? Ton véhicule est hyper réactif. Et crois-moi, ça te sera indispensable pour les courses les plus difficiles. L'écho verte permet de contrôler les dégâts du véhicule. Quand tu choisis l'écho verte, tu répares les dégâts de ton véhicule. Pas mal! Tu as fini le premier entraînement. Prépare-toi au suivant. C'est sympa d'être de nouveau aux commandes, hein, Jack? Bon, allons faire une petite balade, histoire de tester ce bolide. Ramasse de l'écho bleu. Surveille ta jauge turbo pour savoir ce que tu as en réserve et utilise-le lorsque tu veux vraiment faire flamber la piste. Ta jauge indique que tu as des réserves turbo. Utilise-les, Jack, et fais crisser les pneus. Génial! Ça, c'est de la vitesse! Et il t'en faudra, crois-moi. Super! Maintenant, tu maîtrises le turbo. Passons à l'entraînement suivant.
peux utiliser le frein à main pour déraper dans les virages. Tu devras maîtriser les dérapages en force pour sortir des virages serrés. Essaie de faire un dérapage, Jack. Maintenant, appuie sur le frein, tourne et accroche-toi. Super, beau dérapage! Tu peux faire un demi-tour en actionnant le frein à main. Prends de la vitesse et essaie. Presque! Réessaie! Tu t'en sors bien! Si tu veux prendre un peu l'air, sers-toi des propulseurs du véhicule. Ils te permettent de décoller du sol en cas de besoin et augmentent ton temps en l'air. Essaie de sauter, Jack! Bien! Trois en moins, plus que deux! En ramassant de l'écho, tu boostes ta voiture et tu gagnes beaucoup d'options de course. Essaie de ramasser un peu d'écho jaune. Lorsque tu la ramasses, l'écho est transformé et permet de créer une arme énergétique. Une icône t'indiquera quelle arme tu as obtenue. Cette icône indique que tu as des missiles. En ramassant de l'écho, tu boostes ta voiture et tu gagnes beaucoup d'options de course. Essaie de ramasser un peu d'écho jaune. Lorsque tu la ramasses, l'écho est transformé et permet de créer une arme énergétique. Une icône t'indiquera quelle arme tu as obtenue. Cette icône indique que tu as des missiles. L'écho jaune peut donner beaucoup d'armes différentes, et les icônes t'indiquent celles dont tu disposes actuellement. Chaque arme est unique et possède des atouts stratégiques dans différentes situations. Tu devras toutes les essayer pour trouver tes préférées. Je couvre, Dax. Possède aussi une jauge d'écho noire. Tu peux l'alimenter en te servant de tes armes. Plus tu les utilises, plus ta jauge grimpe. Et plus ta jauge d'écho noire est remplie, plus tes armes seront puissantes. Prends ça, tiens. J'en ai encore en réserve. L'écho noir est au maximum. L'écho noir rend tes armes plus puissantes jusqu'à ce que tu te cognes. Maintenant que tu sais à quoi sert l'écho jaune, passons à la suite. Bon, passons à autre chose. L'écho rouge est pour les armes arrière. Essaie de ramasser de l'écho rouge. Cette icône indique que tu possèdes une mine d'écho rouge. Tu peux activer une arme d'écho rouge avec sa touche de tir spéciale. N'oublie pas, cette touche ne servira que pour les armes rouges et elles sortent par l'arrière. Essaie de lâcher une mine, Jack! Au travail. J'en connais qui auront mal au crâne. Oh non! Des membres du gang de Mizo sont sur le circuit. Attention! Il a lancé un missile! Lâche une mine pour contre-attaquer! Joli!
Ton entraînement est terminé. Maintenant, voyons si tu pourras te mesurer au gros dur. Voici ton nouveau véhicule, Jack. Il a une bonne vitesse de pointe. Et si jamais tu avais besoin de quelque chose de plus solide, choisis celui-là. C'est une compétition, Jack. Et ce n'est pas pour rien qu'on appelle ce sport course de combat. Tous les concurrents portent une arme et n'hésitent pas à s'en servir. Tu vas affronter des pilotes hors pair. Alors sois prudent. L'objectif est d'effectuer le nombre de tours requis plus vite que les autres. En arrivant entier, bien sûr. Colle ton bolide sur la piste. Esquive les attaques. Travaille ta tactique. Et franchis la ligne d'arrivée en premier. Tu les auras tous, Jack. Bienvenue à tous les fans de vitesse pour une nouvelle saison pleine de défis à vous couper le souffle. Fidèle au poste, votre serviteur JT Blitz commentera les courses héroïques des plus talentueux, des plus merveilleux pilotes de l'univers, tous en quête du célèbre trophée du grand championnat de Crass. Au final, il n'y aura qu'un seul gagnant qui sera déclaré plus grand pilote de tout le pays. Et nous serons là pour commenter les espoirs, les frissons et les larmes. La première course de la saison va bientôt commencer. Alors ne zappez pas et faites-moi hurler ces moteurs! La première course. Je sens que tout ça va très mal se terminer. Un sage a dit un jour qu'il fallait garder l'œil sur les gens qu'on avait devant soi et se méfier de ceux qu'on avait dans le dos. Et qui a dit ça exactement? C'est moi! Bon, aucun de nous n'aime cette situation, mais on doit pouvoir en tirer profit. Mon père nous a fourni tout ce qu'il fallait pour gagner. Nous pouvons y arriver si nous... Ton père l'a fichu dans ce pétrin. Alors ferme-la si tu ne veux pas que je vienne te botter le train. Bien, bien. J'ai entendu dire qu'on avait de petits nouveaux cette année, mais je voulais voir ça de plus près. Je m'appelle JT Blitz. Je suis le commissaire aux courses de Crass et star de l'événement sportif le plus regardé de la planète. Je suis venu pour vous souhaiter bonne chance et pour vous rappeler quelques règles. Pas de pari, pas de triche, pas d'entre-règles où c'est fini pour vous. C'est pigé? C'est le show business, les gars! Et les filles? Seuls les meilleurs pourront participer aux plus grandes épreuves. Alors faites-moi plaisir et faites hurler la foule! Allons-y! Bienvenue à la première course de la saison! Voyons qui sera le grand vainqueur! Le feu passe au vert! Voilà les ennuis. Un petit avant-goût de l'enfer. La foule hurle de toutes ses forces. Thank you.
comprends ça. J'en ai encore en réserve. À la prochaine! Un tour en moins! C'était fabuleux, cher public. Enfin, pour ceux qui ont eu le cran d'assister au spectacle jusqu'à la fin. Un pilote inconnu a remporté sa première grande course, sans faire d'étincelles. Alors, racontez-nous un peu cette course. Vous avez eu la trouille ? Non. Eh bien, attendez un peu de rencontrer de grands pilotes. C'est encore pire. Bien pire. Vous allez tenir le choc ? Lâchez-le un peu ! Je prendrai ça pour un non ou un sans commentaire. Et maintenant, rejoignons vite Greaser en direct des stands. C'est dans la boîte. Écoutez, c'est trop mou tout ça, les enfants. Il me faut du nerf, de la niaque. L'audimat a baissé de 13 points sur la dernière course. Plus jamais ça. Si vous voulez faire partie du club, il faut faire mieux, beaucoup mieux. Accumuler des points et je vous accorderai peut-être une autre interview. Si vous en sortez vivant. Bien, bien. Voyons ce que le regagnant a remporté. Nous avons un vainqueur. C'est une course à mort, Jack. L'une des épreuves préférées du public. L'objectif n'est pas seulement de courir, mais aussi d'éjecter le plus de véhicules possible avant la fin du temps imparti. Tu gagnes des points pour chaque éjection. Je sais, c'est pas très gentil.
Mais il faut passer par là si tu veux te qualifier pour la suite. Appuie sur le champignon et tire à volonté. À chaque tour de piste, tu gagnes plus de points. Au second tour, tu gagnes deux fois plus de points par éjection. Au troisième, trois fois plus. Alors grouille et fais le plus de tours possible, le plus vite possible. Les meilleurs pilotes du monde sont prêts. Allez, c'est parti! En fait, à part quelques démangeaisons à certains endroits, ça va bien. Et si Krubb le fait avec cette histoire de poison? J'ai analysé la bouteille. Il y avait des traces de mort noire dans le fond. Une plante rare et mortelle déterpelée. Nous avons été empoisonnés. Papa ne fait pas dans la dentelle. Croyez-moi, c'est vraiment du sérieux. On se calme. Si les choses se compliquent, on peut compter sur Jack. Il ne nous reste plus qu'à gagner. Face à tous les pilotes cinglés qu'il y a là-bas, on est mal, non? On peut dire ça. Ne le prenez pas mal, mais pas question de confier ma vie à quelqu'un d'autre. Écartez-vous de mon chemin, que je gagne. Ben l'un de vous a intérêt à gagner, ou je serai très énervé! Et très mort. Qu'est-ce que vous diriez d'un nouveau capot?
C'est un Figerali, Jack. Aller vite n'est pas essentiel ici. Tu dois frapper les bloqueurs de chrono pour arrêter le chrono et obtenir le meilleur temps. En fonçant dans chaque bloqueur, tu stopperas le chrono pendant quelques secondes. Plus tu bloqueras le temps, moins ton temps de course sera long. Certains bloqueurs valent plus de temps que d'autres, alors fais soigneusement ton choix. Obtiens le meilleur temps pour gagner. Bonne chance. C'est ici que tout se joue. Prêt ? Partez ! Un médecin!
pari gagné. Et un coffre flambant neuf pour la peine. Bien, bien. Voyons ce que le regagnant a remporté. C'est un match à mort, Jack. Tu vas littéralement te battre à mort contre les autres pilotes de l'arène. Le combat est sans pitié, pas de refuge. C'est un vrai duel. Pour survivre, il faut être le meilleur. Le pilote comptabilisant le plus de morts remporte le match. Et il n'y a pas de second à l'arrivée. Bonne chance. Jack est dans la place. Vas-y, mon pote. Cadeau. Waouh, quelle action! Ne joue pas avec moi. Dis adieu. C'est les qualifications pour le Grand Prix, Jack. En plus du classement de la saison, tu dois gagner une médaille d'or à chaque course de qualification afin d'être invité à participer aux épreuves du Grand Prix. Oh,
non, voilà le tronche de cake qui déboule. Vous, les débutants, vous allez enfin comprendre de quoi je parle. Ce qui fait de notre sport le plus regardé du monde. Vitesse époustouflante et danger absolu. J'espère que vous n'avez pas pris de petit déjeuner ou vous allez le retrouver sur votre combi. T'as pas peur, hein, Jack? Hein, Jack? Hé, dis un truc qui en jette! Bienvenue sur l'une des pistes les plus rapides du monde. Voici le Thanatodrome. Plus d'un y a laissé sa peau, en quête du podium tant convoité. Faites hurler la foule pour moi! Bonne chance. Vous en aurez besoin, plus que j'ai besoin d'audimat. C'est l'épreuve de qualification du Grand Prix de la Coupe Rouge. Il y a beaucoup de monde sur la grille de départ. Et c'est un beau départ! Magnifique aujourd'hui.
Cadeau. C'est une piste dans les rues de Crasse. Ici, ça va vite et c'est très étroit. Attention aux virages serrés et aux impasses. Utilise. Que diriez-vous d'une petite course à mort dans la magnifique forteresse du Maraudeur ? C'est un endroit super pour de beaux dérapages et de grosses boules de feu. Alors posez bien vos mines, amusez-vous. Bon, c'est parti! Attendez, partez! Gagné.
Et voici l'heureux propriétaire de nouvelles portières. C'est une course aux objets, Jack. Tu dois récupérer autant d'objets que possible, et celui qui en aura le plus gagnera. Lorsqu'un objet apparaît, vas-y le premier, et il est à toi. Bien sûr, il y aura beaucoup de participants, donc tu devras être le plus rapide et le plus rusé si tu veux gagner. Mais je sais que tu peux y arriver. Thank you.